Bonjour et bienvenue au Carrefour des cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Lettre à la jeunesse africaine ». Son auteur, Mohamed Lamine Fofana, va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Lettre à la jeunesse africaine. Sur fond de légendes de rastafarisme et de mythes de sorcellerie, de fétichisme ainsi que de récits de chasse, ce livre lance un appel au réveil des consciences et à la mobilisation de tous les dignes fils et filles d'Afrique. Monsieur Lamine, Monsieur Fofana, oui. Mohamed Lamine Fofana, bonjour. Bonjour, Monsieur Kouani. Voilà, bienvenue. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Alors, vous êtes l'auteur de cet ouvrage que j'ai entre les mains. « Lettre à la jeunesse africaine », c'est le titre de votre ouvrage. Voilà, c'est un plaisir. Ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, nous faisons la causette aujourd'hui exclusivement consacrée à l'ouvrage « Lettres à la jeunesse africaine » de Mohamed Lamine Fofana. Alors, très rapidement, on va commencer tout de suite par le titre. Vous avez choisi le titre, je cite « Lettres à la jeunesse africaine ». Alors, pourquoi avoir choisi ce titre ? Je m'adresse essentiellement à la jeunesse africaine. D'accord. Okay? C'est une invitation que je fais à la jeunesse africaine, une prise de conscience profonde et une mobilisation de tous les dignes fils et filles d'Afrique. C'est pourquoi j'ai choisi le titre « Lettre à la jeunesse africaine ». Voilà. Alors, la question, vous allez comprendre pourquoi j'ai posé cette question. Enfin, nous, on l'a lu. Mais comme l'objectif de l'émission aussi, c'est de partager tout ça avec nos téléspectateurs. Ouais. Et c'est pour ça que je reviens. En général, ce titre déjà, il est, on le retrouve sur d'autres ouvrages, hein, notamment un auteur malien qui a écrit Lettre à la jeunesse africaine. Il y en a d'autres, mais généralement, ça, c'est sous forme et effectivement de lettres, comme le nom l'indique. Oui. Donc, c'est des espèces de lettres portées par l'auteur qui s'adressent directement. Est-ce que c'est le cas pour votre ouvrage? Exactement, c'est le cas. Il y a une lettre dans le roman qui s'adresse essentiellement au lecteur. Au lecteur. Et donc, vous avez choisi de faire porter le titre de votre roman. Donc, on le précise, il s'agit d'un roman, « Lettre à la jeunesse africaine ». Et alors, à présent, vous allez nous parler des personnages de votre ouvrage. Oui. Également, il y a l'acteur principal que j'ai nommé Africa, puisque je parle de l'Afrique. Oui. Oui, il y a sa campagne Amazonie, d'accord. Il y a également le féticheur, Kimbo. Il y a également aussi la maman d'Amazonie, Madame Faso, d'accord. Donc ce sont... Et il y a également aussi l'oncle de Africa, chez qui il va passer ses études dans la capitale, oui, qui est Tonton Ben. Et tous ces noms ont des significations pour moi, l'auteur. Il y a quand même dans, il y a là-dedans, hein, on va continuer, poursuivre, mais il y a là-dedans, je veux dire, la toute première partie de l'ouvrage, on est embarqué dans une histoire qui se passe dans un village, mais avec un jeune homme qui a, on va dire, une espèce de comportement un peu troublant. Le narrateur même nous apprend que, on va dire, le protagoniste lui-même ne se comprenait pas. Hein. Un jeune garçon, il avait une attitude plutôt étonnante, oui, on va même dire bizarre. Et il est pas tout à fait comme les autres enfants, en fait, le jeune garçon qu'il était, en tout cas en ce moment-là, pendant qu'il étudiait. Et il y a même quelque chose d'étrange, c'était un garçon aussi à l'école, puisqu'il était scolarisé. Oui. Il dit dans un passage que le temps qu'il passait, en fait, en gros, il partait à l'école à cause de l'ambiance et tout le charme de la récréation. Oui. Et que les moments qu'il passait dans la salle de classe, oui, l'ennuyait en gros. Effectivement. Oui, c'est comme si pendant ses débuts, il n'aimait pas du tout l'école. Il était comme un idiot. Mais au cours d'un soir,
quand sa maman lui a conduit dans la cuisine et qu'il a fini par l'oublier dans l'intention de le punir, oui. Quelque chose, il a vu un rêve en songe, quelque chose qui se révélait en lui. D'accord? Et c'est à partir de ce rêve, après ce rêve-là, il a commencé à être comme les autres. Il a commencé à être amoureux des études, à être sérieux dans la vie. C'était quoi son problème? Bon, parce que là, enfin, je dis, j'ai pas bien cerné, mais ça restait intéressant, c'est ce côté énigmatique, c'est-à-dire que il y a effectivement, ça c'est intéressant, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes, que les parents forcément ne savent pas, oui. Problèmes psychologiques, problèmes, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui les différencie un tout petit peu des autres enfants, oui. Et ils évoluent à l'école ou en famille, souvent ils ne sont pas forcément compris. C'est pour ça que je m'attarde, hein. Vous accepterez que je m'attarde un peu sur cette partie qui révèle quelque chose de très intéressant dans la société, oui. Enfin, dans nos sociétés. Oui, exactement. En fait, ce roman, ce n'est pas un roman réaliste. Moi, j'ai imaginé un monde. Et j'ai mis les acteurs en action et en interaction. Ah oui, bien sûr, je suis dans ce monde-là aussi. Oui. Enfin, on est dans ce monde-là. Effectivement. Oui. Effectivement. Donc, le plus important ici pour moi, c'est cette révélation pendant le songe, oui. De l'enfant, de son passage de son état d'idiot à l'état normal comme les autres. Oui. D'accord? C'est cette partie-là que j'ai essayé d'évoquer vraiment. Effectivement, c'est intéressant parce que votre personnage, on le voit, il y a cet aspect qui est aussi bien dans l'écriture, je veux dire, le changement du personnage. On va d'un personnage qui est, entre guillemets, comme vous le dites, idiot, oui, à un moment donné, avec tous les problèmes qu'il y a autour de ce comportement, oui. Anormal, oui. Aussi bien à l'école que dans sa propre famille, avec tous les problèmes aussi il a dans sa relation avec son père, sa mère, oui. Donc toutes les punitions auxquelles il est machiné. Et c'est d'ailleurs au cours d'une de ces punitions, hein, que sa mère lui met dans la cuisine et l'oublie là. Et oui. C'est pendant ce moment-là que lui, il fait un rêve. Effectivement. Et dans ce rêve, il y a beaucoup de choses, hein, incroyables qui se passent dans ce rêve-là. Exactement. Il voit dans ce rêve un homme qui essaie de lui faire du mal. Oui. Et brusquement, il y a une fille qui surgit entre eux pour empêcher ce dernier. D'accord? Et au cours du rêve, il va se retrouver au bord d'un fleuve. D'accord? Et il y aura un monsieur qui va venir, qui habille à la traditionnelle, comme oui. Étant un féticheur, quelque chose comme ça, et qui va vraiment aller s'agenouiller au bord de l'eau du fleuve, avec une corne de chèvre, quelque chose comme ça. Il va prendre l'eau et venir lui donner, boire ça. Et lorsqu'il va boire vraiment le contenu, beaucoup de choses vont changer à partir de là. Il va penser que quelque chose est en train vraiment de changer en lui. D'ailleurs, c'est comme s'il avait pris un remède, d'accord, à son problème. Et quand il va se réveiller, ce rêve sera déterminant pour le reste de sa vie. C'est là-bas qu'il va passer du stade d'idiot à l'état normal comme les autres enfants et se faire vraiment des objectifs. Pour être utile à la société, à sa société. Pour être utile à la société. Lettre à la jeunesse africaine de Mohamed Lamine Fofana, l'auteur avec nous sur le plateau pour en parler. On va évoluer. Enfin, il y a aussi, donc, du coup, on passe du stade. Du stade d'idiot, entre guillemets, du protagoniste à ce stade plutôt normal. Et là, la narration montre un gamin attaché aux études, qui travaille plutôt bien, même brillamment, on va dire. Et puis d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on se dit, on a l'image d'un garçon qui va avoir une carrière brillante, oui. Etc. C'est ce qui se trame à partir de ce moment-là. Oui. Mais un petit truc qu'on a mal au fond, que le lecteur a relevé, enfin que le lecteur que je suis a relevé, c'est... alors là, je signale pour les téléspectateurs, il y a beaucoup de dialogues dans votre roman, des dialogues... souvent très intéressant, je veux dire, vous êtes très attaché aux détails. Hein. Ça, on l'a relevé. Et pour parler de parmi ces détails-là, on en a relevé un, c'est qu'il y a un échange entre donc Africa, le protagoniste, votre héros, oui. Africa
Et un de ses professeurs, en fait, un de ses enseignants ou quelque chose comme ça. Oui. Et ce dernier était très brillant à l'école oui. et qui raconte que, bon, et lui, Africa, est étonné, mais comment ça se fait donc que vous n'avez pas pu être un cadre, un grand cadre, un haut cadre, Oui. etc. Alors, l'adulte était un tout petit peu, enfin, gêné, n'a pas pu répondre là. Et à un moment donné, en gros, pour faire comprendre aussi que la vie ne réserve pas forcément le destin, voilà, Oui, une histoire de destin un peu effectivement. là. Je veux dire, c'est comme ça, dans votre roman, on a beaucoup de moments d'échange comme ça, avec des détails où vous prenez Effectivement. vraiment tout le temps. Quand l'autre répond ou qu'il ne répond pas ou Oui. qu'il retarde à répondre, enfin Oui. voilà, c'est un élément qu'on a relevé. Effectivement. Oui, également. L'héros en question, dès qu'il était normal maintenant, il avait de l'amour pour les études. Donc, il s'était fait un ami qui était Monsieur Silla. D'accord? Ce dernier était un enseignant dans son village. Et donc, il avait trouvé auprès de Monsieur Silla une source d'inspiration. Chaque fois, par les classes, il venait chaque fois chez lui. D'accord? Il venait chaque fois chez lui, prendre des notes, causer avec lui. Ils étaient comme des amis. Parce qu'il n'avait pas beaucoup d'amis à lui. Il n'avait que Monsieur Silla et aussi les livres aussi que Monsieur Silla lui remettait. D'accord? Et le cas de Monsieur Silla, bon, ça arrive couramment dans la vie. D'accord? Il y a beaucoup de gens, ils ont été brillants à l'école. D'accord? Ils ont été tellement brillants, tout le monde pensait qu'ils allaient devenir un grand cadre à l'avenir. Mais par fini, ils se retrouvent pas ce qu'ils avaient cru être. Donc ça arrive couramment dans la vie. Donc le jeune homme, pendant l'échange avec M. Silla, parce que M. Silla s'est vanté quand il était à l'école, je n'écrivais même pas les cours. Je remplaçais même le professeur quand Quand il il était était absent. empêché, oui. Oui, effectivement, tout le monde parlait de son intelligence, lui le professeur. C'est dans ce cadre-là, le jeune homme lui pose la question, pourquoi n'êtes-vous pas devenu ministre ou président à cause de votre intelligence? Et il a réfléchi comme il aurait vécu un drame qui l'aurait empêché de réaliser ses rêves. Donc il dit au jeune homme parfini, tout le monde n'est pas appelé à être ministre ou président. J'avais juste l'amour du savoir. Et ces limites-là, oui. Oui, effectivement, lettre à la jeunesse africaine. Et puis bon, il y a aussi, évidemment, c'est le lieu, en tout cas pour nous, de vous poser cette question. C'est aussi le choix de. On est en face d'un roman. Hein. Lettre à la jeunesse africaine, c'est un roman, vous l'avez dit. Donc effectivement, liberté de créer, de créer et l'univers. On va dire l'univers mental, l'univers sociologique, psychologique, pour l'histoire, pour votre récit. Mais justement aussi, si on a des questions à poser, on les posera. Je veux dire, Africa, alors, la lettre s'adresse à la jeunesse africaine, le personnage que vous choisissez comme héros du roman, vous le faites appeler Africa. Oui. Pourquoi? Je veux dire, enfin, oui, pourquoi? Bien, parce que je suis panafricain et je m'adresse principalement à la jeunesse africaine, d'accord? Parce que toute mon inspiration vient de la musique reggae de Alpha Blondy et de Bob Marley, d'accord? Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant le message de ces gens-là, que je les considère comme des philosophes. Mais très malheureusement, pendant mes cours, mes cycles au niveau de l'école, que ce soit du primaire, du collège ou du lycée, on ne nous a jamais enseigné ces gens-là comme des philosophes. D'accord? Donc moi, j'essaie de prendre le message de ces gens-là et de le porter dans les classes, chez les élites, dans les universités. D'accord? C'est là-bas que je rentre en jeu. J'essaie, comme c'est le monde littéraire, il y a le reggae musical. Moi, j'essaie de faire un peu le reggae littéraire, c'est-à-dire le livre. Le reggae par la plume, effectivement, D'accord. j'allais en parler parce qu'il y a aussi ce pan dans l'ouvrage de Mohamed Amin Fofana, effectivement, Lettre à la jeunesse africaine. Il y a, c'est justement ce mélange, enfin, cet ancrage que vous avez voulu, en tout cas, vous êtes resté attaché, vous Oui. êtes attaché à cette forme d'expression musicale, donc Oui. qui est le reggae.
Et puis, vous parlez aussi de rastafarisme et surtout de ces messages. Et là, vous dites, vous parlez de Alpha Blondy, donc, qui vous aurait donc, inspiré pour aller dans ce truc. Donc, vous avez beaucoup écouté les chansons d'Alpha Blondy, c'est ça? Oui, également. J'ai beaucoup écouté les chansons d'Alpha Blondy. Et Alpha Blondy m'a conduit vers Bob Marley. Quand j'ai découvert Bob Marley, un jour, je suivais Alpha Blondy, il disait, je cite, Bob Marley a dit, le reggae, quand il arrivera en Afrique, il prendra une nouvelle dimension. D'accord? Et la dimension musicale, ça atteint vraiment son sommet avec Alpha Blondy et Tiken Jah et autres. D'accord? Et chaque fois, c'est de la musique, les gens le dansent, ils sont conscients quand même, ils écoutent les messages. Ok? Mais moi, principalement, j'essaie de m'adresser à ceux-là qui sont appelés à être des ministres, des directeurs, des dirigeants africains. Parce que moi, j'ai estimé que vraiment, l'Afrique, comme Alpha Blondy et autres, ça ne va pas. D'accord? Nos dirigeants, ils ont la compétence, ils ont le savoir, mais il y a quelque chose qui manque. L'amour de ce soir, l'amour du continent, c'est-à-dire le panafricanisme. Vraiment, les gens ne portent pas l'Afrique dans leur cœur, surtout nos dirigeants. Donc moi, je m'adresse principalement à cette génération actuelle, ma génération. D'accord? C'est pourquoi je porte le message du reggae. Essayez vraiment que les gens comprennent le message. L'urgence panafricanisme, la nécessité de porter l'Afrique dans d'autres cœurs. Car si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la technologie ou des inventions qu'ils ont faites. Croyez-moi, c'est parce qu'ils ont aimé avant tout leur pays. Tant que nous n'aimerons pas notre continent, nous n'aimerons pas notre race, ce ne sera pas possible que l'Afrique s'en sorte. Donc voilà le message que j'essaie vraiment de porter dans ce roman vers mes frères africains. Message donc poignant, à la limite, venant donc de notre auteur, l'auteur que nous avons, Mohamed Lamine Fofana. Aussi, message attaché, appuyé sur les valeurs du reggae, donc comme vous le dites aussi, pour essayer de passer aussi votre message. Mais alors, puisque vous en parlez, le panafricanisme, pour vous, qu'est-ce que donc c'est? À quoi renvoie, de votre point de vue, le panafricanisme? Oui, vous savez, le panafricanisme, c'est un terme qui est né hors de l'Afrique. C'est l'ensemble des valeurs historiques, culturelles, civilisationnelles que les leaders africains essaient de rétablir. C'est-à-dire, vous savez, l'Afrique va mal. On a vécu beaucoup de choses qui ont interrompu le cours d'histoire de l'Afrique. L'Afrique est la mère des civilisations, comme le dit Cheikh Anta Diop, le grand Cheikh Anta Diop du Sénégal. D'accord? Et donc, le panafricanisme, avec ce que nous avons, la réalité que nous vivons actuellement, moi je pense que les gens sont conscients maintenant que vraiment il y a assez de mots. Mais peu de gens posent des actes pour changer les choses. Par exemple, le franc CFA, il y a des décennies que tout le monde est conscient, c'est quelque chose qui freine vraiment le développement de l'Afrique. Mais combien de gens ont pris l'initiative de poser des actes pour vraiment changer ça? Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses comme cela, les gens sont déjà conscients. Mais maintenant, il faut se mobiliser, il faut pouvoir poser des actes. L'étape suivante, l'étape de l'action. Ok, c'est là-bas où maintenant, moi j'essaie vraiment de faire comprendre aux gens qu'il faut bouger. Il faut bouger, il faut vraiment que nous nous mettons ensemble, l'intégration africaine, et poser vraiment des actes. Demander aux Occidentaux, vraiment, il faut renégocier les choses. Soit ça marche, soit ça casse. Parce qu'on ne peut pas continuer, comme le dit Alpha Blondy, on peut faire une fin effroyable. Qu'une froid sans fin. Oui. D'accord? Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux Africains. Lettre à la jeunesse africaine avec un message fort, ce message mais très très fort, message aussi panafricaniste de Mohamed Lamine Fofana, notre auteur du jour. Alors, on a parlé de la première partie du roman qui est donc l'environnement, le milieu de vie de Africa, le héros du roman, donc qui va venir en fait, il quitte le village pour rejoindre son oncle, un parent à Conakry. Tonton Ben. Donc il y a cette découverte de la ville, donc de la ville, la capitale. Il n'y a pas que la ville, il y a la ville, la capitale. Et de tout ce que
Cette immense agglomération englobe et concentre du point de vue de Africa, qui lui n'avait jamais vu la ville, donc la capitale, dont il avait entendu parler. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Oui. Donc, la découverte de la capitale du point de vue donc, de Africa. C'est intéressant. Il trouve que tout est extraordinaire, mais surtout, il trouve que tout est immense. Et, je veux dire, la ville qui s'étend à perte de vue, et pas que ça, la mer qui, elle aussi, s'étend à perte de vue. Donc, en gros, lui, il plonge dans un milieu où il pense que tout est à la démesure. Exact. Ça, c'est intéressant. C'est vrai, on découvre ce point de vue de Africa. Oui, ça, c'est quelque chose qui est courant dans la vie. Ça arrive à beaucoup de gens qui sont nés et ont passé un petit moment, ont grandi au village. Oui. Leur première fois dans la capitale, ça, vraiment... Ils ont toujours leur premier jour, comme les Ivoiriens le disent, d'accord. Chacun a toujours son premier jour. Donc c'est un peu ça. Il y a des choses qu'ils n'avaient jamais vues au village. Oui. Donc ils vont voir tous ces trucs-là dans la capitale. Oui. La mer, les concerts, d'accord. Oui. Par exemple, son premier jour autour de la table, quand il prenait le petit déjeuner avec tonton Ben et sa femme, tante Imawa, d'accord. Les mots qu'il entendait, Nescafé, Foscao. Oui, donc ça, c'est des trucs. Non, c'est des moments, je veux dire, c'est des moments agréables dans la lecture. Hein, effectivement. Et que, pour des gens qui vivent dans la capitale, c'est normal. Oui. Ça fait partie du vocabulaire. Usuel, qu'on pratique tous les jours en ville. Nescafé, Foscao. Mais lui, ça sonnait. Pour la première fois dans ses oreilles, comme des choses étranges. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ça, on voit justement le décalage entre ce qui relève de l'urbanité, donc de la vie, un milieu urbain et un milieu rural. Je veux dire, en écriture, c'est agréable, ces moments-là. C'est même des moments où même les lecteurs posent des sourires. Et vous, de façon, et ça c'est important de le souligner, ça c'est notre point de vue de lecteur, et de façon, je veux dire, très légère, parce que c'est une écriture, je veux dire, comme ça, qui est à notre portée, nous lecteurs, et donc qu'on comprend, mais qui nous entraîne aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui. Du coup, on fait une lecture... qui nous détend aussi, avec ces moments de pas d'humour, mais voilà, qui nous font sourire. Exactement, exactement. En fait, j'essaie, vous savez, quand on est citadin, c'est bon. Hein. Je ne dis pas quand on est villageois, c'est mauvais, d'accord, mais quand on vient vivre, ce que j'essaie de dire par là, quand on vient vivre dans la capitale, dans une grande ville, c'est plus avantageux que de vivre dans un petit village, d'accord? Parce que quand on est dans une grande ville, on est émancipé, on a accès à beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment avoir dans les petits villages. Là, le passage du village à la ville, donc à Conakry, où il y a un vrai bouillonnement aussi pour le personnage, enfin pour Africa. Exactement, oui, parce que là il sera émancipé, il va même savoir conduire un véhicule. Oui, alors il était même très frappé, et ça c'est marrant, dans un passage à Conakry, il trouvait en gros extraordinaire de voir un jeune garçon qui conduisait parfaitement bien une voiture, parce que pour lui ça c'est quelque chose de... d'impressionnant. Exactement. Moi j'aime bien ce tout début. Donc de Africa à Conakry, dans la capitale plutôt. Exactement. Oui. Oui. Pendant ses premiers moments, parce qu'il était venu dans la capitale pour des vacances chez son oncle Tonton Ben. Mais avec l'appréciation de son oncle, qui va finir par le garder pour ses études dans la capitale. Et pendant ses premiers moments dans la capitale, il va apprendre beaucoup de choses. Son ami Kekura, qui va lui servir d'ami, d'accueil. Donc, on va lui montrer beaucoup de choses. Oui. On va lui faire sortir pendant la nuit. Ils vont aller découvrir des concerts. Il va lui faire découvrir la ville. Il va découvrir les autoroutes. Il va découvrir les lampadaires. Il va apprendre beaucoup de choses. Oui. Oui.